Alors, quand on détecte un cancer du poumon, la première question qu'on se pose, c'est de savoir s'il est opérable ou pas. Si on peut opérer le cancer du poumon, c'est toujours le traitement qu'on privilégie. Pour les cancers du poumon qui ne sont pas opérables et qui représentent la majorité des cancers du poumon, on va établir la carte d'identité de la tumeur, c'est-à-dire qu'on va analyser les caractéristiques de la tumeur et notamment les caractéristiques génétiques pour essayer d'identifier le gène qui est responsable du cancer. Et bien, ce gène est aussi le talon d'Achille de la tumeur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir cibler l'activité de ce gène avec un traitement particulier qu'on appelle les thérapies ciblées. Alors, un de ces gènes récemment découvert comme étant à l'origine de certains cancers du poumon, c'est le gène MET. L'enjeu était de mettre en place les outils pour détecter ces mutations du gène MET et ainsi pouvoir proposer des médicaments adaptés à la présence d'une mutation de ce gène. Quand l'anomalie est sortie dans la littérature, les tests disponibles n'étaient pas du tout adaptés et permettaient de détecter très peu de patients. Il y a eu un gros travail en collaboration avec la pneumologie pour optimiser nos tests et pour permettre de détecter la plupart des altérations de ce gène, du gène MET. Et maintenant, on est capable de détecter la quasi-totalité des mutations, et ce qui n'est pas forcément le cas partout. Je pense qu'on peut aller encore plus loin, on peut améliorer encore les traitements grâce aux nouvelles thérapies ciblées, grâce au ciblage de la maladie résiduelle, grâce aux efforts qu'on mène en collaboration. On doit à terme viser la guérison de ces patients.